Et bonjour tout le monde, c'est Tom 16. On se retrouve pour Billy Hatcher et l'œuf géant. Et on va dans le mode histoire. Moi je baisse un petit peu mon volume parce que je suis un peu fort. Mais bon. Alors on était ici. Et on devait sauver Wally. Et cette fois on fait le trésor du capitaine. Et le trésor du capitaine, on peut dire qu'il est gros. Et j'ai pas de blague à faire là-dessus, hein. C'est juste que c'est vraiment un gros trésor, il fait une cave entière le truc. Voilà, regardez, une cave entière, tout ça c'est en pivot. Et il y a même des médailles qui flottent. Allez, on va parler au petit poulet. Ok. Ah ouais, je confirme, c'est des montagnes. Hein. Oh yes, il y a un clip-en. Voilà. Vas-y, il va faire éclore mon clip-en. Allez, écrase tout, quoi. Voilà, nickel. Bon, par contre, les cerceaux, je suis curieux, je me demande à quoi ça sert. Ok, toi je te fais faire tout de suite. Ok, il y a un clip-en dans le mur maintenant. On prend cet œuf, il est trop beau. Oh, j'ai pas envie de savoir ce qui est éclos là. Oups. Mais non, mon œuf. Je veux garder ce œuf jusqu'à l'éclosion finale. Allez. Bouton. Parfait. Là, je veux pas dire, mais c'est le timing parfait. Et ça, c'est beau. Par contre, caméra. Ah. Du coup, je vous aime pas. On va y aller sans l'œuf, hein. Autant y passer sécurisé. Vas-y. Mais... Et attaque. Ok. J'ai compris ce qui cloche. Attendez deux secondes, je vais devoir configurer la manette. Alors... on charge le profil de 64. Alors, X, t'es où? X, t'es là. Y, t'es là. Et gauche, on va le mettre là. Et droite, on va le mettre là. Quant à vous, on va vous supprimer. Voilà. Et voilà. Effacer. On ferme. Non, pas ça, on ferme pas ça. Mais on fait écran justement, c'est mieux. Voilà, c'est bien. Maintenant, je vais chercher mon œuf. Le meilleur de tout le monde. Voilà, ça c'est du bel œuf. Je reviens, je vais chercher un mouchoir. Désolé, mais c'est des pirates, ça... Je suis un peu allergique, vous voyez. On va parler au petit pingouin. Au petit poussin. Cabine du capitaine. Il faudrait un canon pour l'atteindre. Je vais ordonner à mes hommes de mettre un canon en place. Alors ne t'en fais pas. Ah oui, ok, c'est un adulte, le gars. Désolé, je fais des petites sauvegardes rapides de temps en temps, j'ai pas envie de perdre cet œuf. J'ai trop envie de vous montrer ce qu'il y a dedans. Tant pis, c'est reparti. Allez, hop. Ouh là là, mais maintenant je me méfie. Ya. Ok. Alors là, je vais prendre cette tête. Je vais faire un... Ok.
Un couteau dans le dos. Oh mon dieu, c'est pas du tout ce que je pensais être. C'est un capu capu. Un personnage de chuchu. Vas-y, viens, je veux devenir ton pote. Ou même si t'es en train de tomber dans le... Ok, il est dead. On va attendre. Viens. Quoi? Voilà. 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 Par contre, ça brûle quand même, ce machin. Mais non. Ok. Faut que je trouve un œuf. Je crois que la caméra a un petit peu de mal à se concentrer. Allez, allez, et allez. Bon, voilà. Désolé, mais c'est pour pas recommencer toutes les secondes parce que ce jeu est quand même dur. Il est hyper maniable, mais par contre, il est dur, quoi. Ok, on va y aller douce. Bon, ok, l'œuf va réapparaître, c'est pas important. C'est pas important. Faut juste qu'il apparaisse, l'œuf. Il va réapparaître? Oui, c'est bien. Et il y a le Opa Opa qui vient de... Enfin, le je sais pas quoi qui vient d'apparaître. Et ça, c'est bon. Bon, bah, encore une fois mort. C'est pas grave. Y'a pas un autre œuf par là? Mais non! Attends, c'est vraiment par là qu'il fallait aller? J'ai un doute. Ouais, c'est vraiment par là. En fait, je suis sauvé. Autant vous montrer ce que fait la bébête tout de suite, hein. Ok. Ah ouais, il est puissant, le gars. Un vrai Fury. Ouais, et comme ça, on peut faire avec l'or des Knuckles. Et ça, c'est ce qu'il y a le plus beau, faire avec l'or des Knuckles. Par contre, voilà. Le pingouin. J'ai pas envie de te faire un câlin, désolé. Oh, punaise, il y en a plein. Ouch. Ok, je fais pas gaffe. De toute façon, c'est même pas les battre qu'il faut faire. C'est juste faire un truc comme ça. Oui. Et... Yeah. Nickel. Ok, je vais plutôt prendre ce machin. Aïe. Purée. Ok, faut aller là-bas. Ah, faut avoir battu tous les ennemis. Mince. Ok, capu capu. Voilà, rien à faire. Ok, capu capu. Attaque. C'est bien. Je fais éclore cette couleur d'œuf exprès, vous inquiétez pas, c'est normal. Et ouais, fallait tous les battre en plus. Allez, on prend tous les fruits. On monte sur ce signe. Et on va dans le Kadoon. Oh punaise, ça va pas être simple. Ok, je vais faire comme ça. Oh mon dieu, je suis vivant. C'est bon. M'en douter de... Je les voyais venir à 3 km. Couteau dans le dos. Ramasse le papillon. Magnifique. Vas-y, fonce. Bon, après, voilà. La première fois que j'utilise, je savais pas qu'il est aussi bête. Et qu'il s'est aussi peu visé. Ah,
Voilà. Ah ok, il faut vraiment un clip-end en plus. Bon bah, un truc mûche, je vais devoir t'abandonner après. Hein. Voilà, on va faire un nice hatch. Yeah! Allez, viens clip-end. Allez, on monte. On prend un œuf. Parce qu'il faut toujours un œuf. Alors, toi, tu dis quoi? Les pièges du capitaine sur l'île sont été construits jadis par des pirates poulets pour protéger leurs trésors. On raconte que si on n'approche pas trop près des pièges, des flèches ardentes sont envoyées. Il est impossible d'approcher les trésors. Il doit bien y avoir des teintes de feu. Ok, j'ai la solution. Vas-y, Clip-end. Ok, ce qui est bien. Je lance le pingouin. Ah ouais! Ah ouais! Je sais pas si c'est d'arnaque ou autre, mais là, waouh! Mince. Vas-y, meurs, meurs. Voilà, c'est bien. Laisse-moi deviner, les flèches elles vont se rallumer après. Yeah! Cool! Cool! Mais j'avais l'anneau là! J'avais l'anneau! C'est du hors-jeu! Allez! Whoop! Voilà, ok! Parfait! Désolé, mais ça c'est pas du jeu, excusez-moi. Voilà. Toujours pas du jeu. Pas normal, moi je dis. Bon, après, quand je dis comme pâte, c'est pas. Voilà, ça c'est mieux déjà. Ça, c'est ce qui m'arrive le plus souvent dans Villager, je déteste ça. Du coup, je vais devoir chercher un autre œuf. Parce qu'en plus, il était prêt à éclore, en plus, l'œuf de Clip-end. Mais non! Pas vrai. Bon, ok, éclos. J'aime pas faire du bowling avec mes œufs, quoi. Pas du tout. C'est contraignant quand même. Allez, vas-y, Clip-end, go! C'est merveilleusement bien visé, mon pingouin. Allez, hop! On appuie sur le bouton. Alors, vas-y, Clip-end. Nickel. Et on va essayer d'attraper cette médaille. Pas comme ça. Voilà, c'était plus simple que prévu. Est-ce qu'ici il y a des trésors? Vous voyez, montagne de trésors. De l'or très fragile, vous voyez? L'or c'est très fragile. Il n'y avait pas une médaille ici à l'origine. Si elle est pas là, c'est ça veut dire que j'ai dû la voir. Hop là, c'est parti! Nickel. Bon là, le Clip-end est fatigué. Hein. Autrement, il est très bien dans son bain d'or. C'est au choix. C'est au choix. Et hop. Et on sauvegarde.
ça va être nickel. Et cette fois, on peut s'attaquer au volcan. Pas ça, le volcan. Lancer un poulet de oula oula. Ouais. Oh, une musique toute reposante. Let's go. Billy, alerte, alerte. L'ancien de la montagne Dino, oura oura, a été kidnappé et a changé en œuf d'or. Tu dois trouver sur la montagne Dino. Ok, attendant, je prends mon hippopotame licorne toute muche et je reviens dans deux secondes. Je suis littéralement vu. Voilà, deux secondes. C'était pour ne plus avoir à me déplacer ensuite pour aller chercher le mouchoir. Oui, parce que je suis encore rhumé, même si je filme ça, on est en juillet. En juillet. Hop. Allez, petit poussin, viens me parler. Voici la montagne Dino, on raconte que jadis les dinosaures vivaient ici. Quand les corbeaux sont arrivés, ils ont utilisé une étrange magie et maintenant il y a du magma brûlant partout. Tu sais le poussin, je suis désolé de te le dire, mais t'es un dinosaure. Hein. C'est pas une blague. Les poulets sont des dinosaures. L'œuf de l'ancien est enfermé dans cette cage là-bas. Il est gardé par une bande de corbeaux. Sois prudent. Ok. Ouais, très beau ces corbeaux. Par contre, j'ai l'impression que mon bouton L ne fonctionne plus. Attendez, je vais corriger cette petite erreur. Alors, voilà. Manette. Configurer. Le L. Voilà. Voilà. Et voilà. Ah là là, ça fonctionne pas mieux. Oh mon dieu, le dinosaure. Ok, je vais faire éclore mon hyper poulet là. Et zut. Ok. 1 et 2. Mon hyper animal. Je vais le faire éclore, ça fera de sécurité en plus. Avec couteau de l'eau. Je mets en dessous. Et j'ai mon hippopotame icône. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il y a plein de méchants corbeaux sur Montagne Dino. Ne laisse pas briser l'œuf de l'ancien, fais attention à toi, d'accord? Oui, parce que tous les autres œufs du monde, on peut les briser, mais pas celui-là. Parce que c'est le seul qui a pas le pouvoir de respawn. Hein. Là-bas, je veux bien melon, du coup je le prends. C'est bon pour la santé, le melon. Oh, pinaise. Oh bah non, ça va, c'est des chaussures. Donc voilà. Ya, ya. Voilà, j'écrase tout, c'est bien. Là, je m'éloigne. Là, je prends la banane. Voilà, je prends la deuxième banane. Je vise le monsieur. 1, 2, 3, c'est bon, il n'y a plus de monsieur. Nickel. Oh! D'abord, je vais observer ce qu'il y a là-bas quand même. Ok, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est plus. Comme ça! Oui, en plus, c'est brisé, c'est pas très intéressant. Boing. Là, je vais devoir faire gaffe parce qu'il y aura des animaux très terrifiants. Qu'est-ce que je disais? Ils sont extrêmement terrifiants. C'est même un clipène, quoi. Oui,
Quoi? Pourquoi il y avait un tatou? Il m'a one shot mon œuf quoi. Il m'a one shot mon œuf. Il m'a one shot mon œuf. C'est pas gentil. En plus ils me font mal quoi. Je suis gentil avec eux, ils me font mal. Maintenant, je m'enfuis. Je pose l'œuf dans un endroit sûr. Je tourne la caméra. Je vais dire bonjour à monsieur. Et vas-y! Nickel. Et je vais rechercher mon œuf. Voici la façon de la sûreté. Là. Quoi? C'est pas gentil, j'avais des fruits. Oulala, il y a l'air d'avoir des animaux très méchants. Ok, ça passe, ça a pas l'air trop dangereux pour le moment. M'en doutez. Me la fais pas, moi. Ok, ce machin-là, je vais le faire éclore dès que possible. Vas-y, couteau doldo. C'est bien. Oh punaise. Aïe. Pili, je suis Oua Oua, l'ancien de la montagne Tielo. J'ai été capturé par Topo le boss corbeau qui est aussi responsable du réveil du dinosaure squelettique. Tant que Topo est ici, nous ne vivrons pas en paix. Tu dois le vaincre. Mais je dois d'abord te donner cet emblème du courage. Ouais, bien loin en plus. Hein. Ça dépend, il est où? Ok, tiens. Voilà. Au revoir. Je prends cette œuf. Ah oui, rapide. One shot, le gars. Apparemment, c'est pas ici qu'il faudrait. En tout cas, la musique est super jolie. Mais avant de prendre cet emblème, nous allons faire éclore cette œuf. Ah, oh, un singe électrique. Regardez, il y a deux animaux. Derrière, nous observons un singe électrique dans son habitat naturel. Une note C pour nous consoler. Et nous allons sauvegarder les données de jeu. Mais d'abord, je vais voir combien de temps il reste. 23 minutes. Bon, ça. C'est le temps d'arrêter, quoi. C'est bien. Allez, à bientôt pour un prochain épisode de Billy Hatcher. A plus.